Bonjour à toutes et à tous, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va se trouver pour un tout nouveau concept. On va partir sur un Iron Man Challenge sur World of Warcraft. Si vous ne savez pas c'est quoi, eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc le but du jeu sera de créer un nouveau personnage niveau 1 et d'essayer de monter le plus loin possible avec un nombre de règles bien définies que je vais vous citer juste après. Mais avant toute chose, je vais choisir mon personnage de manière aussi aléatoire. Je vais aller sur un générateur de nombres qui va déjà m'indiquer ma faction entre la Horde et l'Alliance. Donc là, ça sera, comme j'ai eu 1 sur 2, ça sera l'Alliance. Bon, ça vous voyez pas, mais c'est pour vous dire que je le fais à la régulière. Donc l'Alliance. Le personnage. On est combien de personnages sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. On va faire 1 sur 8 en espérant pas tomber sur un panda. Fais chier, je dois faire un panda. Faisons un panda. Ok. C'est pas cool. Nombre de classes, il y en a 14, mais je compte pas les DK parce qu'on commence niveau 55, ce serait de la triche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 classes. Donc je vais faire 10 sans le DK, bien entendu. On va mettre 1 sur 10. 8 encore. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je peux pas faire démoniste. Bon, je vais régénérer un chiffre parce qu'il n'y a pas de démoniste 3. Chasseur, oh non! En vrai, je voulais pas chasseur parce que je trouve que. Enfin, je trouve que pour un challenge, c'est un peu facile d'avoir un chasseur parce que le pet peut tanker. Après, je pense que en vrai, ce sera pas intéressant à regarder. Donc, je pense que je vais refaire un rôle. Parce que chasseur, moi, je trouve ça. Enfin, en vrai, je trouve ça un peu simple. 6! On tombe sur un truc cool, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chaman! Oula! Voilà. Panda chaman, côté Alliance. Donc on va partir sur faire les quêtes du début, tout ça. Donc alors, on va lancer le personnage. On va faire une jolie chaman toute choupinou. Alors, on va lui faire quelle tête? On va la mettre comme ça. On va l'appeler comme ça. Voilà, t'es mignonne. Des petites couettes comme ça, des cheveux, elle a pas des cheveux bleus, je pense qu'elle a des cheveux bleus. Voilà, nice. D'oreilles sont très belles. On va l'appeler Iron. On va l'appeler ouais, Iron. Ah, elle va se trop bien comme ça. Hop. Et pendant pendant le début, je vais vous expliquer les règles de l'Iron Man Challenge. Donc là, Iron Man Challenge, c'est quoi? Donc, comme je vais expliquer, c'est un challenge sur WoW où vous ne pourrez pas utiliser certains types d'équipements et plein d'autres choses différentes. Donc les règles sont, pour la plus importante, j'ai pas le droit à mourir. Si je meurs, c'est fini, je dois recommencer un personnage. Pour la deuxième, l'équipement porté doit être uniquement blanc ou gris. Je ne peux pas utiliser d'équipement rétal. Je peux utiliser aucun métier. Primaire ou secondaire, je peux juste avoir secourisme. Je peux utiliser aucune nourriture, aucune boisson ou autre que celle vendue par les vendeurs. Hein. Donc tout ce qui est bien nourri, etc., je peux pas utiliser. Toutes les potions, je peux pas utiliser. Je peux pas faire de champ de bataille, d'instance, de raid. Je peux pas aller dans des guildes autres que niveau 1, mais ça j'irai pas dans des guildes donc c'est pas grave. Je peux utiliser aucun enchantement, parchemin, d'élixir ou des glyphes. Je peux utiliser aucune aide financière. En gros, je peux envoyer de PO. Je peux pas. Enfin, je dois supprimer tous les buffs que les autres joueurs me mettent. Donc, je peux pas faire de chevalier de la mort. Ça, c'est la règle numéro 11. La règle numéro 12, je ne peux. Enfin, je peux utiliser mes montures et mascottes. Bon, après ça, les mascottes, je m'en fous un peu, mais pour les montures, c'est cool. Je peux utiliser l'hôtel des ventes pour vendre mes objets. Je peux acheter de l'équipement blanc en marchant. Je peux posséder forcément les équipes, enfin les objets de quête, etc. Ben, quand même quoi, un minimum. Je peux apprendre mes sorts, etc. De toute façon, c'est automatique. L'Iron Man Challenge date de 2012, donc il y a des règles qui sont pas vraiment valables aujourd'hui. Vous pouvez vous buff seulement avec vos propres sorts, donc forcément. Et je peux faire des quêtes journa, etc. Si j'en ai, on verra bien quand on y sera. Et voilà, donc on a fait les 19 règles qui composent l'Iron Man Challenge. Donc c'est parti, donc on est là avec notre petite chamane toute mignonne. Oui, je vais faire une autre règle juste pour moi. J'ai retiré l'interface de. Enfin mon interface de WoW, j'ai mis l'interface de base. Donc on va être
sur l'interface de WoW originelle, enfin avec les améliorations qu'il y a eu au fil du temps, etc. Donc le but sera d'aller le plus loin possible sans mourir, bien entendu. Je vais chercher quelque chose, le son. On va augmenter le son de la musique, on va baisser un peu le son du jeu. Faire comme ça, j'espère que vous ne sentez pas trop. Voilà. C'est parti pour une petite pendette chamane. Je sais pas ce que ça va donner, je pense que ça va être bien dur à partir d'un moment. Oui, il faut mettre le bouclier machin truc, faut taper les poteaux. Ah non, c'est pas maintenant, ça c'est après. Coucou. Elle est pas choupie. Donc là, Iron Man Challenge, ça va être à... Je sais pas en combien de temps, enfin je sais même pas si je finirai, donc comme je vous ai dit, hein, si je meurs de n'importe quelle manière, si je tombe. Après, je me suis pas mis sur un sort PVP pour pas forcément me faire buter level 21. Donc, si je tombe d'un truc trop, etc., ben c'est fini pour moi, quoi. Comme j'ai utilisé de l'équipement blanc, ça va être aussi très dur. Après, je ferai certainement des ellipses, etc., quand j'irai en ville vendre mes objets, etc. Donc là, on est parti avec notre petite pendette. Je pense que ça peut être un truc vraiment sympa et j'espère que ça vous plaira en tout cas, parce que moi, j'ai vraiment envie de le faire. Après, partager avec d'autres personnes. C'est bien mieux, putain, sans équipement héritage, sans rien, ça va être la galère. C'est-à-dire que déjà, j'ai toujours joué à WoW avec une interface personnalisée, avec 1 million d'addons, etc. Pour que ce soit beaucoup plus clair. Et j'ai toujours, enfin après, j'ai jamais pex un personnage, à part mon tout premier personnage sans se faire héritage, donc on va un petit peu galérer, je pense, ici à l'heure actuelle avec N'oubliez notre jamais petit. les bienfaits. Notre petit panda. Le son est un peu fort pour moi, mais c'est pas grave, je le baisserai pour vous. Ça, on s'en fiche. Recrue vaincue, 0 sur 6, la leçon de la pire Terravalée. On est au début, hein, du coup c'est un peu lent, c'est pour le coup c'est forcément simple, hein, parce que c'est vraiment le tout début du jeu. Meurs, recrue, tu chuis. Je dois d'abord choisir une cible. Ouais. Ça va être lent, hein. Lent et assez long, donc on va essayer de ça rendre le plus intéressant possible. Hein. Non mais toutes ces règles, j'ai vu ça, je me suis dit ouais pour le, vu que je le fais en vidéo YouTube, je vais essayer de changer certaines règles, etc. Mais je me dis que j'allais faire ça de manière la plus équitable Besoin d'une possible. cible. Sauf que je suis pas du tout un joueur de chaman. Hein. Je joue démoniste et paladin, donc vraiment rien à voir. Je n'ai pas de cible. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, hein. Je vais faire des vidéos en général à peu près une quinzaine de minutes. Besoin d'une cible. Pour pas non plus Il n'y a que que je vous grandeur. étouffe avec tout ça, que ce soit juste votre petit lot quotidien de WoW. Foutez la flamme du maître dans les mains, nice, j'ai pris ça, ok, je gagne 1 d'armure, ça va être vite. Putain merde, ça faut monter, oh là là. Oh là là, j'aurais peut-être dû choisir ma classe, hein. Ce n'est qu'à moi, j'aurais fait une elfe de sang, enfin une elfette de sang paladin. Ça aurait été très bien, ça aurait été facile. On est parti sur un chaman. Un chaman, ça va être dur. Bon. La lampiote. Coucou, coucou. Ce qui est bien, c'est qu'avec Panda, normalement, je peux sauter de plus haut sans mourir. C'est parce qu'il a un passif. Qui réduit les dégâts dessus, donc ça c'est fat. Votre visite me ravit, petit C'est fat. Putain, je sais pas comment je vais faire, hein. Pour monter niveau maximum, ça va me prendre approximativement 15 ans. On peut pas comprendre des montures. Non. Non mais j'ai héritage. Non. Avec les vieux sacs aussi, oh là là. J'ai l'impression d'être revenu au Moyen-Âge, c'est un truc de ouf. Faut vaincre Jaomin, Ro. Où es-tu, Jaomin? Viens là. Que je te mette ta raclée. Ah, il prend pas de dégâts. Oh. S'il te plaît, fais quelque chose. C'est quoi ça? Ok. Tiens, ramasse. Je sais pas si j'ai dit, mais j'ai le droit d'acheter donc les consommables au marchand. Une cible. Donc les consommables de base, hein, bien entendu, pour régénérer ma mana, etc.
Il est mort, j'ai eu Jomin, trop fat. Nos plus grands défis sont devant nous. Mais oui, tais-toi. Nos plus grands défis sont devant nous. Nous sommes donc level 2, nous allons rejoindre l'Alliance, et je suis en rang 2, hein, donc... Oh là là, mais c'est quoi tous ces trucs d'information là? Ah, oh, mouais. Je suis en horde de base, donc j'ai fait une seule fois... J'ai un seul perso niveau maximum côté Alliance, donc ça veut dire que j'ai fait qu'une seule fois les quêtes côté Alliance. Oh, ça va être un scandale, hein. Pour les Alliance, vous m'en voulez pas. C'est soit j'ai des bêtises, ou soit je fais des bêtises. Je pense que j'irai vers Hurlevent après parce que j'aime vraiment bien cet endroit. Et vers la marche de l'ouest. Depuis qu'ils ont changé la zone, je trouve qu'elle est assez cool et assez jolie. Enfin, depuis qu'ils ont changé la zone, c'est quand même un cataclysme maintenant, donc ça fait quand même un petit temps, mais. Parlez-moi de vos voyages. Bonjour. Alors, qu'est-ce Ne qu'il a vous à vendre? pressez pas. Donc, j'ai dit que j'avais pas le droit de m'envoyer de Certains PO, nomades vous j'ai pas le droit de défient. m'envoyer de stuff d'aucune sorte. Est-ce que j'ai de quoi? J'ai un peu de bouffe là ou pas? Ouais, j'ai un peu de bouffe, m'en racheter quand même. Que les brumes vous protègent. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Oui, je pense qu'il faut tuer des espèces de petits trucs là. Pour ceux qui voudraient tester, Ce sort n'est pas encore fini. je vous mettrai dans la description de la vidéo toutes les informations pour faire un bon Iron Man Challenge. Et si vous êtes chaud, faites-le en même temps que moi, hein. Faites-le en même temps que moi, sans pexer ensemble au fil des épisodes. Les 3 sur 6, viens là toi. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Niveau 3, nice! Oh, j'ai un sort! Oh, trop fat! Mais viens là! Viens là, saloperie! Je te pète ta gueule! Hop! Pan! Oh, mais oui! Ils font vraiment un bruit dégueulasse ces trucs! Parce que c'est le son des voix. Non, la musique c'est bien. Pourquoi la musique est muette? Moi je fais de la musique. Mais mon boucle c'est bien. On va la mettre comme ça. Voilà. Sinon, pour la petite histoire, si vous voulez tout savoir. Non, je vais raconter une autre fois. Non, mais si. J'ai commencé WoW fin BC. Malheureusement, j'ai pas connu ce qu'ils appelleraient la grande époque de World of Warcraft. Même si, bon, à l'heure actuelle, ça se discute. Et j'ai surtout joué sur. Enfin, le ma plus grosse, mes plus grosses années de tryhard étaient sur Wrath of the Lich King. Hein. Pour moi, enfin forcément, vu que c'est vraiment l'extension à laquelle j'ai joué un maximum, ça reste la meilleure extension. Mais c'est vraiment personnel. Après, enfin, si les gens commencent à jouer à MOP, bah pour eux, ça sera la meilleure extension, ça sera MOP, quoi. Entre guillemets. Enfin, Draenor, je pense, parce que MOP c'était vraiment nul. On se moque à côté de moi. Tu connais level 3. Oh là là. Alors marche en l'envol là. Putain, vas-y, file-moi une cape. Ah non, mais non. Non, mais j'ai pas le droit. Enfin, si, non, j'ai. Oh là là. Oh, ça veut dire que si je fais. Enfin, si je peux m'habiller qu'en gris, en objet blanc, je vais avoir un skin dégueulasse. Ah non, mais j'en déprime à l'avance, vous imaginez même pas. Je sais qu'un chaman c'est pas très beau, mais en plus. Oh là là. Panda chaman quoi. Putain, j'aurais dû faire un autre paramètre en plus pour savoir la. Pour faire un gros larme. Tiens, mange. Donc on est parti pour un Iron Man Challenge, on arrive déjà à la fin du premier épisode dans quelques secondes les amis, je vais finir cette quête là, protéger Aziza, non Aizer, pendant qu'elle médite. Hein. Des petits feuilles d'ambre, fouteurs de troubles. Hein. Et après ça on terminera ce premier épisode, j'espère en tout cas que l'idée vous plaît, moi je vais avancer tranquillement. Ça va vraiment être quelque chose qui va se faire en je sais pas combien de dizaines de milliers d'épisodes. Au moins ça. Parce que je vois même pas comment c'est possible d'arriver level 100 avec des objets gris. Hein. Parce que le temps que j'y arrive, on sera à la prochaine extension. Hein. Si je meurs pas avant, d'une bête chute. Le truc à faire plaisir, c'est que j'ai quand même de remonture.
heureusement. Ça aurait été vraiment loup. En tout cas, moi je suis super emballé, j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous plaît. C'est dommage que j'ai pas pu montrer la sélection de personnages. Dites-moi que c'est pas juste et que je puisse recommencer, hein, comme ça je suis pas un chaman. Hein. Et qu'il faudrait que je vous le montre, comme ça je vous enregistre la sélection de perso et puis on le refait. Non, c'est bon, ça va. J'ai compris, on va garder chaman. Mon dieu. Mon dieu. Bon, sinon, elle finit cette quête un jour ou pas? Ah, voilà. Elle a fini de méditer, Aïza. Et voilà, donc c'est fini pour ce premier épisode de l'Iron Man Challenge sur World of Warcraft. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et bien, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. C'était Vince. Ciao, ciao!